en bas pour sauver ces deux villages parce que l'endroit où pose problème, il y a encore une distance de 80 mètres. Donc, si nous disons arriver à 80 mètres, il va faire couler les eaux et orienter dans le canal Kiré. Les réseaux des eaux qui ont entré pour ces deux tours de pluie qui sont abattus au début de la saison, c'est parce que ne sont pas encore arrivés à barrer l'endroit où les eaux entrent dans les deux villages, Katende et Regeza. Nous avons entendu le gouvernement qui a dit que si nous arrivons à la période de la saison sèche, c'est la période qu'il reviendra encore pour voir comment battre ces deux murs. Ça peut donner la solution en tout cas. Merci. Je vais leur dire qu'ils continuent à patienter, nous savons, mais qu'ils ne rentrent plus construire très tôt dans tous ces endroits où la rivière traverse. Qu'ils patientent jusqu'à ce que le gouvernement arrivera à apporter la solution de construire ces deux murs. Nous disons merci et nous prions Dieu que ces travaux qui se font dans les villages de Regeza et Katende pour la rivière Moba puissent nous excuser et nous regarder avec un œil de pitié que la pluie s'arrête d'abord concernant ces travaux que nous faisons ici. Je dis merci et encourager notre gouvernement provincial du Tanganyika parce qu'il a compris nos lamentations et au moment qu'il veut répondre, comme était notre souci et la demande que nous avons demandée. Et nous allons remercier si les travaux arriveront à la fin. Oui, nous avons déjà fait la demande auprès de notre père, le gouvernement des provinces, concernant le matériel qui se tombait en panne pour cet engin qui cure la rivière, qu'il puisse continuer à nous aider pour que les travaux arrivent à la fin. Parce que si ça sera ainsi, donc nous pouvons dire que donc nous pouvons perdre nos efforts et ces deux villages peuvent être encore touchés. Donc, aux habitants de Regeza et Katende aussi, nous leur disons qu'ils continuent à patienter et continuons à louer Dieu ensemble avec nos ancêtres qu'ils nous aident. Pour son pitié Dieu, nous puissions arriver à la fin et la situation soit bonne pour nous puissions aspirer. Kwa huruma yake Mwenyezi Mungu, tufikie mwisho na hali iwe sawa hivi tujue kupumua. La population de Mobaport en général et les habitants des quartiers Regeza et Katende en particulier ont donné ici leur point de vue pour ces travaux. Moi je vois ce qu'ils font parce que la rivière comme on vient de canaliser, c'est très bien. Parce qu'ici, si vous allez orienter, même nous allons aspirer, compte tenu de la situation des inondations de la rivière Moba. Moi, parce que les inondations puissent s'arrêter d'abord à faire tomber nos maisons. Moi, j'habite Katende. À Katende, là, les maisons se sont écoulées à cause de la rivière Moba. Donc, il n'y a pas autre chose à faire. Maintenant, comme vous commencez à tirer la rivière Moba, nous prions à Dieu qu'il fasse ses efforts, que la pluie s'arrête d'abord, qu'on puisse d'abord tirer la rivière. La rivière est en train de plomber. Elle n'a pas la profondeur. Son lit est au-dessus. Et ça vient verser ses eaux dans l'autre côté. Lorsqu'elle verse ses eaux, c'est le moment qu'il y a les dégâts. Et comme il y a eu la pluie abondante cette année, elle verse. Mais ça dépassait cette année. Ça verse jusqu'à détruire toutes ces maisons ici. La foi de vivre les gens n'en ont pas. Ce sont les gens que vous avez rencontrés construire sur les montagnes, mais ça ne va pas. Vous allez rencontrer dans un même ménage, il y a 4 ou 5 familles. Nous vivons comme ça même. Les maisons se sont écroulées et la rivière traverse le village. C'est des pluies qui se sont abattues. Ça montre déjà la rivière qui traverse. Vous allez savoir que la rivière Moba a causé plusieurs dégâts, notamment la perte des biens et écroulement des maisons. Pendant cette période des inondations, les habitants dans ces quartiers et villages touchés ont beaucoup souffert pour trouver la protection, comme il témoigne. À vrai dire, Moba nous trahit ici chez nous. Il n'y a pas le moyen que nous pouvons faire, sauf que l'État lui-même voit comment faire, parce que l'État connaît tout ça. Il connaît que la rivière là-bas a déjà dérangé beaucoup, mais les enjeux sont là. Au lieu de nous aider un peu d'aide, de barrer là-bas, comme ça, il commence à passer à son lit habituel. Mais il n'y a pas l'aide. Aujourd'hui, nous sommes en train de recevoir les recos qui nous distribuent le médicament. Ils sont en train de passer dans l'eau. Maintenant, nous ne savons pas si l'État pense de quoi. Nous pouvons déménager, mais la vie nous fait souffrir.
il n'y a pas les moyens que la personne puisse se déplacer dans sa parcelle et sa maison, aller commencer à loger. Ça devient un autre problème. Faire étudier les enfants, ce sont des problèmes. La nourriture, c'est le problème. Et loger la maison, ça devient le problème. Et là, la personne commence à supporter la même. Nous voulons barrer un peu pour que nous puissions protéger les maisons. Parce que nous voyons Moba nous dérange et l'État ne nous aide rien. Nous voyons nous-mêmes commencer à se donner. Nous faisons ça par manque de moyens. Si nous nous venons de barrer ici, c'est par manque de quoi faire. L'État ne nous aide pas. Nous disons qu'ici, nous sommes prêts de mourir. C'est mieux que nous-mêmes nous puissions nous construire chacun dans sa partie par manque de connaissances. Parce que si nous laissons comme ça, nous ne savons pas les jours que l'État peut venir nous aider. Alors comme ça, nous puissions nous aider nous-mêmes, mais ça n'a pas la durée. Alors, si nous déménageons, nous n'avons pas de parcelles. Nous ne savons pas s'ils vont nous aider de parcelles. L'État, nous pouvons déménager. Et maintenant, si nous ne savons pas quoi faire, nous ne savons pas déménager, car nous n'avons pas de parcelles, c'est pourquoi nous vivons encore ici même. Nous faisons comme ça par manque d'appui et autre chose. Nous sommes comme si nous manquons l'appui. Nous commençons à faire comme ça pour nous puissions se protéger un peu et protéger notre centre de santé ne soit pas emporté parce que la rivière continue à plomber. En attendant, si le gouvernement puisse nous répondre, car sa réponse est lente et il y a beaucoup de temps de pluie. C'est pourquoi nous avons le travail de faire comme ça pour voir ces deux jours si l'eau ne peut pas toucher le centre de santé. Retenez que c'est chaque année que la rivière Moba menace les quartiers Regeza et les villages Katende. Mais au cours de ces deux dernières années, dont l'année 2019-2020, les dégâts étaient lourds. Près de 2000 maisons se sont écroulées et des biens importants ont été emportés par les eaux de la rivière Moba. Et plus de 2000 familles ont été forcées de déménager. C'est quoi le problème de la rivière Moba? Un peu des explications avec le conseiller du gouverneur Zoé Kabila Mazambala en matière des infrastructures Mayane Kaboula lors de la visite avec le vice-gouverneur dans cette partie. Un bras qui s'est créé. Donc un deuxième bras s'est créé et est venu là où la population la rivière Moba a la particularité d'avoir le lit sur un matériau rocailleux. Donc il ne va pas loin en profondeur. Si bien que dès qu'il y a une pluie et qu'il y a cru, l'eau déborde vers la rive gauche de la rivière parce que la rive droite est constituée de montagnes. Et la population a construit du côté rive gauche où le niveau est en bas et quand il y a cru, toute l'eau vient envahir les populations. Au fait, logiquement, dans le cadre de l'urbanisme et habitat, cette zone devrait être une zone de non-construction. Tout à fait. Voilà. Mais par la pression démographique, bon, maintenant on y a construit avec comme conséquence des inondations à répétition. Et même ce que nous allons essayer de faire de pouvoir lutter contre les inondations, c'est un travail de longue haleine qui demande la participation de la communauté. Tout à fait. Voilà un peu ce que je peux dire. Par le fait qu'il y a eu cru du lac, la remontée des eaux a fait que la pression de la rivière a créé un deuxième bras. Maintenant, l'eau se jette dans le lac en forme de delta. Et comme ici où nous sommes, c'est le côté le plus bas, et quand il y a eu crue, donc toute l'eau est venue de ce côté. Donc voilà un peu le phénomène. Donc maintenant, il faut lutter déjà pour éliminer ce bras et créer des digues pour que l'eau ne puisse plus revenir de ce côté en cas de forte pluie. Disons, pendant la crue du lac et la saison passée, toute cette partie était dans l'eau. Heureusement que ceux qui ont construit le centre ici ont eu la bonne idée de construire suffisamment haut et c'est comme ça que le bâtiment a été sauvegardé. Pendant que tous les autres qui ont construit sans tenir compte de cet aspect-là ont été inondés pendant la saison de pluie passée. Merci. Et de l'autre côté, la rivière a mené un volume, un grand débit. Donc le niveau, quand on ira passer de l'autre côté sur le pont, vous verrez à quelle hauteur l'eau est montée. Et toute cette eau, il y a eu une telle pression que l'eau s'est créée
ce passage-ci. Et c'est venu jusqu'ici, il était dans l'eau. Alors, donc, comme solution, donc, il faut éliminer ce bras-là, mais il faut construire une digue-là pour empêcher que l'eau ne vienne plus ici. Et que maintenant, par le curage, en partant du lac, on remonte jusqu'au niveau où s'est créé ce bras ici et fermé. Maintenant, après, il faudrait que la population participe à cet ouvrage parce que l'engin va juste mettre de la terre en forme de digue. Mais il faudrait consolider cette digue par la plantation de plantes qui retiennent la terre comme des tilleuls et autres qui pourraient bien retenir la terre. Parce que, vous savez, avec le changement climatique, maintenant il pleut plus abondamment. Tout à fait. Cette digue-là peut être aussi un danger dans le cas où elle lâcherait. Elle lâcherait parce qu'elle reviendra sur la population. C'est pourquoi il faudrait que la communauté puisse bien protéger ces digues par des plantes qui retiennent. Tout à fait. Les travaux ont commencé peu de jours après le passage du vice-gouverneur de la province du Tanganyika dans le territoire. Pour Samba Kabala Monique, était accompagné par le député provincial Kalinde Kavimba Jean-Pierre et le conseiller du gouverneur Zoé Kabila en matière des infrastructures Mayani Kabula. Il était envoyé par le gouverneur des provinces Zoé Kabila Mazambala pour venir palper du doigt les difficultés que rencontre la population de Moba afin d'apporter une solution durable. L'objet de ma présence ici, c'est que c'était la volonté du gouverneur des provinces qui m'a envoyé ici en mission pour pouvoir prendre un état des lieux des différentes couches de la société et surtout pouvoir faire une étude ainsi que se rendre compte des différents dégâts qui ont été causés par les intempéries ici dans le territoire de Moba. Par là, je veux dire par exemple ce qui s'est passé avec le quai du port qui est complètement abîmé. C'était quelque chose qui nous tenait à cœur depuis le début de l'année, mais nous n'avions pas pu le faire parce que la crue des eaux ne permettait pas à ce que ces études-là puissent vraiment être faites, étant donné que l'eau était au même niveau que le quai. Et maintenant qu'il y a eu un peu de descente des eaux, c'est comme ça que c'était l'occasion qu'on puisse pour pouvoir faire ce travail. Deuxièmement, nous avons les gens qui ont eu à subir des problèmes suite aux crues des eaux de la rivière Moba. Les maisons ont été inondées, beaucoup encore aujourd'hui sont sans abri. Alors il était de notre devoir de voir comment est-ce qu'on pouvait arrêter le fait que cette rivière déborde, elle déborde chaque année. Et chaque année, les mêmes solutions sont prises, de prendre des tôles, de donner de quoi qu'on reconstruire aux gens, mais ils reconstruisent au même endroit. Et le gouverneur voulait que cette situation qui se répète chaque année ne puisse plus être. Et c'est comme ça que nous sommes venus avec son conseiller en infrastructure, le conseiller Mayani, pour pouvoir faire une étude précise qui nous permettrait de régler ces différents problèmes de manière à ce que ça ne puisse plus se répéter chaque année et que les problèmes soient réglés pour plusieurs années. Et les populations qui ont subi ces affres, on a pu discuter avec le conservateur, avec ceux du cadastre, le ministre provincial des infrastructures pour voir comment est-ce qu'on pouvait arriver à délocaliser ces personnes valablement sans qu'ils perdent les valeurs des maisons pour qui étaient les leurs à cet endroit. C'est la fin de notre émission Allo Tanganyika qui a parlé sur les travaux de curage de la rivière Moba par l'Office des routes et projets du gouvernement provincial du Tanganyika pour éviter des inondations causées par cette rivière dans les quartiers Regeza de Mobaport et le village Katende. Les travaux qui ont commencé à peine d'une semaine. Je dis merci à toutes et à tous, chers télé-auditrices, auditeurs de la télévision Londres Léo, pour avoir été avec moi dans cette émission. Merci au directeur de la télévision, M. Boulamba Odon, pour m'avoir accordé l'espace, et à M. Ibola Ekone Chamboui pour son accompagnement. Moi, c'est Isidore Kachulo qui vous ai présenté cette émission depuis Moba, province du Tanganyika, à l'est de la République démocratique du Congo, Afrique centrale.
et à la prochaine occasion. Au revoir.